Alors, on continue. Je vous ai déjà tourné la vidéo où j'avais ouvert le courrier de Claudine et ma petite surprise, les petits stickers là que j'avais reçus. Donc, c'est top. Donc, on continue. Je crois que j'avais un truc de collé. On continue dans l'ouverture de courrier. Voilà. Alors, je vais ouvrir la grosse enveloppe de Stéphanie qui habite dans le 91. Et voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu as fait encore? Coucou, c'est moi. Oh, j'adore. Regardez, un beau petit Bambi. Alors, j'espère que tu vas bien. Voici un courrier avec quelques petites choses pour tes créations. Mais t'es une dingo, ça. Alors, elle a un site, c'est Sweet Day Créatif. Voilà. Confectionne des cadeaux et des cartes personnalisées. Vous pouvez retrouver et découvrir mes créations sur Facebook et Instagram. Voilà. On a les mêmes cartes de visite en plus. Mais à chaque fois tu fais des folies. Hein. Bon, regardez. Emballé dans un petit papier blanc comme ça. Et je vais ouvrir. Regardez la pochette. Elle est trop mimi cette pochette. T'as fait des folies, je vois plein de trucs. Il faut pas me faire tout ça, moi je peux pas vous rendre l'appareil. Et ça me fait. Oh là là là. Alors. J'en ai le sifflet coupé. Alors, oui, bon, ouais, on va reprendre ses esprits. On relance la machine et on y va. Hein. Des papiers 15-15. Voilà. Avec. Ah, tout dans le même thème de la gourmande. Ah, ils sont trop beaux. Bon, je vais vous les montrer. Des pâtisseries. Alors moi qui depuis longtemps ai envie de faire un truc sur le thème de la durée, ce petit papier vert là, je pense qu'il va m'être très utile. Des gourmandises. Un fond comme ça, trop sympa. Un fond comme ça. Enfin, un fond, moi je dis un fond, oui, c'est pour utiliser un fond. Oh, tu m'en as mis plein. Un autre comme ceci. Des autres gourmandises comme ça. Ça, je le trouve sympa. On dirait à la limite, c'est des tonnes et des tonnes de boules de glace les unes sur les autres. Du chocolat. Pas du chocolat. Non, pas du chocolat. Hein, couleur chocolat. Ah là, avec des petits signes. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ça fait très. Fait royauté un peu, je trouve. Ouais, en même temps, il y a des petites couronnes, il me semble. Trop mignon. Des viennoiseries. Pain au raisin, j'adore. Et un fond comme ça, avec des petits vermicelles un peu. Va poser ça là, devant. Ensuite, des stickers. Des stickers. Oui, c'est des stickers. Des tampons clean. Je ne sais plus si je les avais eu ou pas, ceux-là. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus du tout. Mais ils sont adorables. Celui-là, il est vraiment trop mignon. Voilà. C'est joli, hein. Enfin, faut que je m'en serve parce que c'est trop mignon.
Little Bunny, petit lapin. Les fameux petits stickers qu'on... Enfin, moi j'en ai trouvé cet été chez Action, ils sont trop mignons ceux-là. En plus ils sont tout petits, enfin moi j'aime bien les coller sur les enveloppes et tout, enfin c'est... j'aime bien. C'est très très enfantin bien entendu, mais moi je les adore. Et on va découvrir les folies que t'as fait encore. Déjà je vois des trucs, oh, mais il y en a plusieurs. Mais il faut pas m'acheter tout ça. Alors dans la pochette... Il y a plein. Oh là là, il y a des trucs que j'adore là. Il y en a plein. Mais je sais pas quoi dire, hein. Franchement, je sais pas quoi dire, Stéphanie. Alors, ça, c'est des embellissements que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas, hein. Mais par exemple, j'en ai un comme ça. Je pense même que c'est toi qui as dû me l'envoyer aussi, celui-ci. J'en ai un autre avec un van. Si, voilà, là. Celui-là, je crois que je l'avais acheté à la Fourmi Créative. J'adore tellement que je les utilise pas. Voilà. Mais franchement, c'est trop mignon comme tout. Un autre avec un flamant rose. Alors, c'est Doodle Pop. C'est de chez Doodle Bug Design. Avec un flamant rose. Ah, celui-là, je l'ai. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser du coup. Parce que comme je l'ai déjà, bah, ça m'en fait deux. Donc, comme ça, je pourrais l'utiliser, je pense. Oh, celui-là, adorable. Avec ces deux petites carottes. Et un panda. Mais déjà, même la moitié de tout ça, ça m'aura déjà fait un énorme plaisir. T'as fait... Ah, ceux-là, ils sont beaux aussi. Ceux-là, j'aime beaucoup aussi. Regardez, c'est des petits... le petit déjeuner, mais avec des petits sujets, avec des visages. C'est adorable. Adorable. Là aussi des petits trucs spécial chat. Alors vous avez ici des chats, plein de chats, et ici vous avez tous les accessoires des chats, le bocal, vous savez, les chats quand ils sont quand ils cherchent à manger les poissons, des arêtes de poisson, du lait, des petites pattes, une pelote de laine, une souris. Pff, c'est adorable, franchement c'est adorable. Ça suffisait pas, on a rajouté les tags Disney, voilà, qui sont magnifiques aussi ceux-là. Ouais, ils sont beaux ceux-là. Les Winnie là, ils sont superbes. Les Winnie qui sont avec du foil là, comme ça, ils sont magnifiques. Ceux avec la Reine des Neiges. Et ceux entourés de doré, oui c'est ça, avec les princesses. Voilà, ouais, c'est pas facile de tourner la tête, le bras comme ça. Ensuite, une autre série de petites tags. Avec les mini et les Mickey en fait. Voilà, là il y a toutes les mini. Et après il y a tous les Mickey. Il y a même Donald et Dingo. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Oh, ça aussi c'est trop chou. Alors j'ai eu également des stickers avec des cupcakes. Et là une petite... Pourquoi c'est un hippopotame?
Oui, ça doit être un hippopotame. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il me faudrait une feuille. Oui, c'est comme si j'avais pas de feuille ici. Je vais prendre une feuille de là. Ouais, voilà. Hop. J'aime beaucoup là, le nuage là avec la bannière. Et la petite hippopo là qui est trop mignonne, ça bouge. Ah t'abuses. Ça c'est beau aussi hein. Les rennes là ils sont super adorables. Voilà. Et ceux-là aussi. J'aime beaucoup. C'est plein d'amour, c'est des petits nounours tout plein d'amour. Alors, je vais me mettre comment moi. Je sais pas si vous allez voir là, il fait un petit câlin. Bon, l'encre c'est un peu effacée, mais là il y en a un avec un petit ballon. Je sais pas si vous allez le voir. Merry Christmas, il est joli, elle est belle l'écriture. C'est trop fou. Là, il y en a deux qui sont de dos. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Deux nounours de dos. C'est adorable. Tout ça, c'est adorable. Et bien entendu, la pochette de merveilleuse. Trop belle aussi. Bah voilà. Non, franchement, je suis, comme on dit, hein. Je suis sur le cul quoi, quand on m'envoie des trucs comme ça, j'ai du mal à réaliser qu'on m'envoie des trucs comme ça. On a beau dire, c'est pas la première fois que tu reçois des trucs, non mais je crois que je m'habituerai jamais à tant de gentillesse, de générosité, de tout ça quoi. Voilà, c'est pas une carte avec un truc, c'est plein de trucs quoi, enfin c'est hallucinant, enfin, franchement j'en perds mon truc, déjà j'ai du mal à trouver mes mots, des fois j'ai du mal à parler, mais je perds, ouais je trouve, enfin, je sais même plus ma phrase, je suis étonnée, je suis super contente, faut dire ce qu'il y a, hein. Quand on reçoit des choses comme ça on ne peut que être contente, mais et voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter ça, je vais arrêter la vidéo ici, pardon, et bah je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et puis Stéphanie, je vais le répéter, mais t'es folle, voilà, t'es folle de me faire tous ces cadeaux là, voilà, c'est un truc de malade quoi. Bon bref, je vous laisse, je vais re-admirer tout ça, et réfléchir à ce que je vais faire avec, il va falloir que je fasse des trucs avec. Absolument. Bon, je vous laisse et je vous fais des bisous. J'arrête ma vidéo ici. Allez, à bientôt.